Il amène la maquette pour présenter, mais il doit avoir peut-être plus de matériel chez lui. C'est jamais des shows. Le capotage, disons, est assez loin de la chaudière. Donc là, ça fait une quinzaine de fois que je l'allume. Il n'y a pas eu de ternissement encore. Ah ouais, d'accord. Ouais. Parce que quelquefois, les locaux, ça touche. Ouais, ouais. Ça sera peut-être marqué, ça peut faire des photos aussi, sympa. Et les gens sont dégagés à ce moment. Voilà. Alors, ça fait gaffe à cette pente quand même, parce que c'est non, en fait. La femme, c'est environ, c'est dans. Ah ouais, elle est partie. On attend des printemps. On va plaquer la grosse montre. Début de l'hiver, début du mois de novembre, plus précisément, les premières gelées à Paris. L'herbe et le sol étaient gelés. Et Généma n'avait plus rien à manger. Ben oui, parce que la pauvre Généma, elle n'avait plus de foin, elle n'avait plus rien à manger. Du coup, Félicien lui avait donné son propre repas. Il lui avait donné du pain, du saucisson, du picot d'encre, une
une pomme, parce que c'est quand même bon les pommes. Et même un petit peu de son quart de rouge, nourrir une vache tous les midis, ça fait jaser, surtout en Ardèche. Alors évidemment, toutes les gares de l'Ardèche étaient au courant du comportement de Félicien. Et tous les autres chefs de gare et les autres mécaniciens lui disaient « Mais mon pauvre Félicien, tu es siphonné, mais qu'est-ce que tu fais avec cette vache? Mais tu n'as pas d'autre chose à faire ?» Il lui disait. Mais Félicien, vous savez ce qu'il leur répondait? Rien du tout. Parce que Félicien, il s'en fichait de la vie des autres. Félicien, lui, c'était quelqu'un qui aimait les animaux, presque plus que les humains. Je crois qu'il y a un problème. S'arrêta donc devant le champ pour aller voir si la vache était blessée. Descendu de sa locomotive et alla voir Gélimard, qui continuait de tourner en rond. Meilleur mécanicien de tous les temps. Rien que ça, il reçut même une médaille de l'honneur, service rendu. Oh. Alors, tous ses copains, évidemment, lui dirent oh, bravo Félicien, tu es le meilleur. Vous savez ce qu'il leur répondit, Félicien? Rien du tout. Parce que Félicien, il s'est fiché la médaille. Félicien, il s'en fichait de l'honneur. Mais Félicien, lui, tout ce qu'il apportait, c'était que le problème était blessé. Félicien ne travaillait pas. Il ne portait donc pas sa casquette de mécanicien. Et son chapeau. Parce que le dimanche, c'est le jour où on se fait beau. C'est le jour où Félicien, on ne l'appelle plus Félicien, mais on l'appelle Monsieur. Ce jour-là, lorsqu'il se rendit à l'hôpital, alors que d'habitude tout le monde le reconnaît avec sa casquette, ici, il était debout. Les bonnes sœurs le laissèrent rentrer, lui posèrent aucune question et lui dire « Bonjour, monsieur !» avant de lui inviter la salle des malades. Il rentra donc. Alors qu'elle était rentrée à l'hôpital, elle mangeait bien. Et c'est vrai que elle n'avait pas l'habitude de ça. Il avait appris à son contact et en discutant avec elle qu'elle était très pauvre, qu'elle n'avait que sa cabane, sa vache et son petit pré. Que pour subsister, pour nourrir sa vache et se nourrir elle, elle était obligée de fabriquer des bracelets qu'elle revendait pour le curé de Saint-Agrève. Et c'était tout. Elle était bien seule dans sa cabane et elle était s'ennuyait, c'est sûr. Mais au fur et à mesure des semaines qui passaient, elle reprit des couleurs. Ils trouvèrent un homme très fatigué, très pâle. Il lui manquait beaucoup de couleurs, notre pauvre ami Félicien. Oui, 3 jours durant, il était parti. Et la seule chose qu'il leur répondit, c'est qu'il avait fait un malaise et qu'il avait dû se réfugier dans la cabane la plus proche pour s'en sortir. Alors bon, vous savez, les chefs de gare et les gens de l'administration, ils ne cherchent pas trop à savoir et à comprendre. Vu que les seuls témoins de cette affaire, c'était Justin, Félicien, une vache et des rondes en bois, personne n'osa contredire cette version. Mais évidemment, la vraie version, on la connaissait. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'est qu'à 10h, la machine s'était arrêtée devant le champ de Gélimard. Ce jour-là, Félicien était sorti de sa locomotive, avait enjambé la couture, n'avait même pas dit bonjour à Gélimard. Il était arrivé en courant devant la cabane de... Parce que, cette histoire se finit bien et pour Louise, et pour Gélima, et pour Félicien. Puisque maintenant, ils ne sont plus seuls, ils sont tous les trois, et ils vont être tous les trois à jamais, puisque on a raconté que, d'ici quelques temps, les cloches de l'église du Chélard vont résonner, parce qu'il va bientôt y avoir un mariage. Et on raconte qu'à l'annonce de ce mariage, depuis tous les jours, on entend Gélima meugler jusqu'au Chéla. Et on raconte même que le jour de la noce, on entendait meugler Gélima plus fort que les cloches. Voilà, mesdames et messieurs, c'était l'histoire de Félicien et Gélima. Et c'est une fin heureuse. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci, mon Dieu. Je tiens à vous remercier d'avoir écouté cette histoire.